Les deux frères ont dû se donner le mot. Car, ici aussi, c'est au deuxième round sur... Champion du monde. Ça, c'est vrai. Le banner, c'est toujours un plus. Allez, on passe à la troisième, lui a dit dans son coin Jérôme Le Banner. La troisième reprise, la troisième vitesse, c'est comme vous voulez. En attendant, pour l'instant, Rani Berbachi s'en sort bien face à cet Espagnol, Ricardo Duenas. Ricardo Duenas, là, qui était sonné et qui est compté. Oh, cela est... Rani Berbachi, elle s'est précipitée pour essayer, on va dire, de terminer le travail. Ricardo Duenas sonné. Ah, les coups sont lourds de la part de Rani Berbachi. Est-ce qu'il a récupéré l'Espagnol? C'est pas sûr. Et on connaît vraiment Rani Berbachi quand il a touché. Eh bien, il continue. Lui qui frappe lourd avec ses droites. Et pleine face. Ricardo Duenas de nouveau. Et il va... Oh là, il va arrêter, il va falloir faire attention parce que là, il n'est absolument plus lucide, l'Espagnol. Lui qui est allé à deux reprises à terre dans ce troisième round, Rani Berbachi. Oh, attention là, parce que là, ça devient dangereux. Encore une minute, Rani Berbachi, attention au coup. Et il s'accroche obligé, Ricardo Duenas, il faut être vigilant, monsieur l'arbitre. Parce que Rani Berbachi... Lui, il n'a peur de personne. Lors de son dernier combat, c'était face à un homme de l'Est de 140 kg et de 2 mètres. Et il avait fait match nul à Marseille. Il n'a jamais peur de qui que ce soit, Rani Berbachi. Allez. Allez, attention, parce que c'est espagnol. Il est solide. Voilà, le percute droit. Et comment il a fait? Pour l'instant, Ricardo Duenas pour tenir. On sait, c'est un homme... dur au mal, 50 combats, 48 victoires. Mais attention, peut-être là encore cette accélération, il va en finir absolument, Rani Berbachi, dans cette reprise. Et il est compté une troisième fois. Allez, sauvé, même pas par le gong, et il a raison, parce que 3 knockdowns en 2 minutes, c'en est trop. Et Rani, vainqueur! L'arbitre dans la troisième enthousiaste, et le public a raison. Rani Berbachi, vainqueur, toujours aussi souriant. Écoutez, son 106e combat, c'est son 86e. Rani Berbachi qui remporte plus de 50% de ses victoires avant la limite. Et vous voyez cette jambe comme elle vole haut. La jambe arrière, et là, il pensait en finir avant. L'Espagnol, finalement, sera compté trois fois, et notamment avec ce bras arrière droit. Rani Berbachi a fait une démonstration dans cette troisième reprise. Qui va se dérouler en 7 rounds de 2 minutes, qui va opposer le Thaïlandais Kampon Klek au Français Jean. Mais sur un siège, à regarder tout ça, on... pas forcément. Percute en force de Drizlan. Jeu du Mirachid Drizlan, voilà confirmation. Sur ses jambes pour tomber. Parce que t'es accroché, c'est pour ça que je vais te mettre des coups mieux pour te garder comme ça en fait. Rachid Drizlan. Il va tout lâcher, fais attention, c'est pas normal. Voilà, il faut l'hésiter de ce boxeur. Voilà cette réunion qui se tenait au Pen Mirabeau près de Marseille se termine. On a assisté à une très belle soirée boxe avec notamment ce combat dans la catégorie des poids moyens. Combat terrible entre Christophe Tandil et Mohamed Eli Issaini, remporté au point à l'unanimité des trois juges par Mohamed Eli Issaini, le Marseillais. Superbe combat. Très grand match. On aura vu également la victoire de
Cédric Ludovina opposé à Stéphane Bédito, le Toulonnais. Ludovina qui s'impose par arrêt de l'arbitre sur blessure dans la troisième reprise. Là, il a tout à gagner ce soir. Je vous rappelle qu'il y a un gros pari qui est en jeu pour vous. Le con qui est champion de full contact français. Qui était... Deuxième des cinq reprises. Oui, là, il y va. Là, il y va. Là, ça y est, le Banner, il est parti. Il est, il se relève là. Il a été touché, mais il se relève. Oui. Il a été piqué au fort. Il est courageux, Vitaly Akraminko. Hein. Il a été piqué au foie, attention. Là, le Banner, il met le turbo, là. Oh là, le Banner, il met le turbo, mais quand ça frappe, ça fait mal. Et là, cette fois-ci, c'est le crochet du droit. Va-t-il arriver à se relever? Non. Ah, il est... non, il arrête. Et c'est fini. Quand on était prêt à partir, Jérôme. Expéditif de... Banner, et, il n'aime pas les combats faciles, c'est clair. Il n'aime pas. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un combat facile et donc il lui fallait ce soir un adversaire qui là prend le risque de placer un beau coup de pied retourné d'ailleurs. Il faut le faire ça face à Jérôme Le Banner. Alors là on comprend pas bien là. Et Jérôme Le Banner. Lui aussi pour Didier Soutavi. On avait pensé à lui déjà, on l'avait déjà dit. C'est bien que le redis. Et Akraminko alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ce Bélarus? C'est comme tous les Bélarusses, ils sont très forts, ils sont très, très mentaux. Bon, moi, honnêtement, j'ai vraiment mis des coups très très forts. Honnêtement, j'ai senti à travers mes poings les coups, tout ça, et là le crochet qui va passer, je crois. Okay, alors moi, ce que j'aimerais te poser comme question, c'est bon, bah, au bout de 6 mois, on monte sur un ring. Qu'est-ce que tu pensais dans ta tête quand tu es arrivé du vestiaire jusqu'au ring? Une motivation totale, Pascal. Ouais. Ah, ouais. Parce que totale. D'accord. Aucune appréhension? Franchement, non. Okay. D'ailleurs, pas de crainte pour l'avant-bras? Non. En plus, bon, il était gaucher, ça m'a arrangé. Ouais, d'accord. Okay. En tout cas, t'as été hyper. De toute façon, ça va revenir. Bah, comment ça viendra justement? Franchement, honnêtement, un petit peu parce que on espérait un adversaire un petit peu plus lourd et surtout, on va. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Vainqueur. Le coin rouge. Dans le coin rouge, Marc Lieto. Et s'il vous plaît, il ne démérite pas aussi. Ce premier challenge, André Lavalli, Marc Lieto. On peut applaudir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on l'applaudit comme il se doit. C'est le vainqueur. Et il le dit fort, c'est pour Louis Lavalli, il le dit, c'est beau. On peut l'applaudir. Et on peut applaudir aussi la présence de Chloé Lavalli, vous l'avez reconnu, membre de Pékin Express 2010. Pas besoin de lui donner Marie, vous voulez dire un mot Chloé?
Pubblico! S'il vous plaît, et Max Tao, quand je dis Ousmane! Dans les combats, il prend garder sous la semelle. Ouais, bonne réaction à la fleur, il monte. Pourtant, coincé dans les cordes, et bien bon travail au corps, il est en train de tailler. Ouais, il est touché, la Benèche, il est touché. Ouais. C'est le coup au corps qui lui fait mal. Il ne va pas céder, mais qu'est-ce que c'est pour travail Flexus encore. Superbe réaction de Samuel Florimon. Thierry Benèche, lui aussi, compté. Monsieur Arueda dans cette 7e reprise. Il aura du mal à revenir en bas. Hein. Ben, il n'a pas trop voulu trouver la solution en haut. Il a été la chercher en bas, au corps, au plexus. Et je pense pas qu'il ait le métier pour pouvoir gagner du temps. Malheureusement, Florimon qui retourne en bas. Florimon qui nous a fait peur, mais qui s'est bien repris. Rien n'est fini encore. C'est une situation de survie. Ouais, attention, Samuel Florimon. Ouais, mais on n'a pas le droit de tourner le dos. Oui, c'est vrai. Aussi, tous les deux, il y a faute des deux. Corps sont partagés. Florimon pris un petit peu dans son élan. Et Benèche qui a tourné le dos, ce qui a nécessité l'intervention de M. Rueda. Ce sont des coups pour la survie, ça que donne actuellement Jerry Benèche. Dans le coin de Benèche, côté de Christian Delfouquet, on demande à son boxeur de se raccrocher. Mais belle réaction, une voix de pas de Benèche. Extraordinaire, d'intensité, d'émotion, de suspense dans ce combat de pour le championnat de France des poids lourds légers. On est gâté. Ah, mais ces deux boxeurs ont un cœur énorme, énorme, pour résister à de tels coups, trouver les ressources, réagir, repartir. Oh, magnifique. Terrible coup au foie infligé à Thierry Benèche. Oh, magnifique. Ah, et ben voilà, la solution, une nouvelle fois, elle est venue en bas et non pas à la tête. Il a beaucoup de mal. Il va retourner Jerry, mais il est mal. Hein. Il n'a pas récupéré ses... Le suspense reste effectivement entier ici à la salle Vallier dans cette 8e reprise dans ce championnat de France. Mais c'est pas possible, il se relèvera jamais, Benèche. Quel courage, ça m'étonnerait qu'il se relève pas. Et voilà, il se relève. Non, il a arrêté. Ouais, c'est monsieur Delfouquet. C'est son entraîneur, hein, Christian Delfouquet, qui a regardé l'arbitre, qui lui a demandé d'arrêter. Florimon est toujours champion de France des lourds légers.
Samuel Florimond. Bravo. Là c'est génial hein. Faut trouver un point, encore avoir de la force pour faire ça après ce qu'il vient de faire. Pas seulement boxeur mais aussi showman, c'est Samuel Florimond. Là, c'est ce qui fait tout l'intérêt. Il faut qu'il recule avec Renard. Du bon côté, les points de cette demi-finale mondiale de l'UEA et des super moyens et disputera bientôt un championnat du monde. Mehdi Sanou. Il l'a emporté, on l'avait dit jusqu'au bout, ça serait juste.